Allez, salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est toujours bon le Sam Hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors, comme vous avez déjà vu sur ma plateforme, c'est-à-dire en statut WhatsApp, voilà, j'avais mis ces offres-là. Et il y a plusieurs étudiants qui étaient intéressés, alors qui m'ont demandé comme ça de faire une petite vidéo pour qu'ils puissent au moins avoir une idée de ce à quoi ils allaient postuler. Voilà, je vais comme ça essayer de vous donner un peu quelques aperçus et essayer aussi de postuler, vous expliquant comment ça se passe pour que vous puissiez aller y étudier facilement et rapidement. Donc, ici, vous voyez juste là, c'est à l'Université de Genève, voilà, à l'Académie. Et ce qui est plus important, c'est en Suisse, voilà. Et ceux qui veulent postuler, par exemple, comme ça, c'est une bourse. Il y a trois types d'éléments. Il y a des bourses, ceux qui veulent étudier avec des bourses, ceux qui veulent étudier sans bourse, voilà, ou bien avec une bourse partielle. Ça va dépendre de vous. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de voir rapidement en termes de bourse ce qu'il s'agit. Donc, on va cliquer sur bourse d'études, comme ça, on verra un peu les éléments pour savoir un peu comment est-ce qu'il faut postuler. D'abord, je vais essayer de mettre en français. Et ici, par exemple. Je mets directement en français. Et là, vous avez l'information qui est vraiment typique, l'information qui est vraiment nécessaire. Pour ceux qui veulent vraiment postuler, nous offrons des bourses partielles complètes pour notre LLM. Ça, c'est en droit. Il y a un peu d'informatique, mais c'est plus en information. Donc, il y aura, par exemple, comme ça, trois masters ici que vous devez postuler. Donc, il y a celle-là, il y a celui-là aussi, il y a un peu celui-là aussi. Donc, ici, par exemple, comme ça, vous allez avoir un master en droit international humanitaire et droit de l'homme. Il y aura aussi un master d'études avancées en justice transitionnelle. Il y a aussi un droit de l'homme et état de droit. Voilà, donc, voici les trois éléments que vous allez devoir postuler, voilà, et avoir une bourse et aller là-bas pour aller faire une formation et essayer d'avoir une bonne carrière comme tout le monde l'envie et tout le monde le souhaite. Donc ici, par exemple, comme ça. Donc pour faire l'application, c'est très simple, c'est pas aussi compliqué que ça. Nous offrons des bourses complètes qu'aux étudiants des pays non occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plusieurs pays, voilà, mais seulement les pays non occidentaux, c'est-à-dire les Européens en Europe de l'Ouest. Donc ici même, vous pouvez voir un peu les pays qui sont concernés. Donc si je viens juste cliquer ici, vous allez voir une multitude de pays qui sera dressée en face de nous et on va essayer comme ça de... Donc ici par exemple comme ça, les pays les moins développés, les pays les moins développés. Donc si vous regardez bien, si vous ne retrouvez pas votre pays ici, alors ça veut dire que c'est pas la peine de chercher à postuler, voilà. Mais si votre pays s'y trouve, ça veut dire que c'est possible de le faire. Donc déjà, lorsque vous allez cliquer là, vous-même vous allez voir votre pays et puis savoir votre position. Voilà, donc j'aimerais vous dire que c'est une bourse qui est vraiment, qui n'est pas aussi sélective que ça, mais c'est une bourse qui donne assez d'opportunités aux étudiants. Et si vous êtes dans cette sphère-là, sachez déjà que c'est déjà une bonne opportunité pour vous de développer votre entreprise, de développer vos idées, de développer aussi votre niveau de connaissance. Donc ici, par exemple, comme ça, je reviens là sur scholarship. Donc ici, si vous postulez aux deux pistes, votre candidature sera considérée dans les deux pistes sans bourse. Les candidats retenus qui choisissent uniquement la voie sans bourse ne peuvent ensuite être considérés pour une bourse. Voilà, donc de toute façon, nous ne sommes pas là pour les 100 bourses. Nous sommes là pour postuler avec une bourse. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Donc, ici, je viens là dans Application. Les demandes de bourse doivent être soumises avec la candidature du candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à soumettre votre candidature, vous allez soumettre en même temps pour la demande de bourse. Donc, ça sera immédiat, ça sera avec la candidature. Lors de votre candidature, vous devez choisir entre deux filières. Candidature avec bourse partielle ou totale. Donc ça, on va vérifier rapidement. Ou candidature sans bourse. Donc nous, on va choisir forcément candidature avec bourse totale. Donc ça, c'est ce qui est évident. C'est pour ça que je fais la vidéo. Si et ici, pour les étudiants présélectionnés pour une bourse, pour garantir leur place dans le programme, les étudiants boursiers sélectionnés devront verser un acompte non remboursable de... Donc ça, directement. Pour ceux qui seront sélectionnés, pour ceux qui seront sélectionnés, non pas de payer d'abord avant d'être sélectionnés. Pour ceux qui seront sélectionnés, voici les frais d'admission qui sont là.
c'est 150 monnaie suisse. Ça va avoisiner les 150 € aussi. Donc, essayez de calculer, vous allez voir. Ça va avoisiner aussi les 150 €. Voilà. Et là, ça, c'est plusieurs types de bourses. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller rapidement sur une faculté et puis on va essayer de postuler comme ça. Donc, si vous remarquez bien, voici les facultés qui sont là. Une faculté ici, voici l'autre ici, voici la dernière faculté qui est là. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va choisir peut-être la première faculté ici. Vous pouvez choisir ça aussi, ou ça. Nous, on va choisir la première faculté ici. Voilà, on va cliquer sur ça. Et on va se retrouver là. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, vous venez dans Admission ici. Voilà. Et lorsque vous venez dans Admission, vous allez voir, c'est déjà précisé. Ici, la date limite, lorsque vous allez commencer, c'est déjà ouvert depuis le 28 novembre. Et la date limite, c'est en fait avec les bourses, voilà. Avec fin de candidature avec bourse, c'est en janvier. Et fin de candidature sans bourse, pour ceux qui vont postuler sans bourse, voilà, ça commence en janvier et ça se termine en février. Mais ceux qui vont postuler avec bourse, c'est-à-dire c'est maintenant jusqu'au 27 janvier 2023. Voilà, donc directement, vous savez un peu comment ça se passe. Donc maintenant, ici, comme ça, les candidats doivent avoir un diplôme complet en droit. Voilà, un solide dossier académique. Intérêt démontrable pour les sujets de programme, par exemple, expérience professionnelle, stage et tout. Voilà, donc ça, vous pouvez mettre votre CV ici à la place. Voilà, et ici, une bonne maîtrise de l'anglais, vous devez être en mesure de démontrer via un test reconnu. Et les tests reconnus qui sont là, mais j'aimerais vous rappeler en même temps que même si vous n'avez pas de test reconnu, vous pouvez postuler, c'est pas un problème, que votre anglais est de niveau suffisant pour pouvoir engager avec succès et terminer votre cursus académique à Genève. Cette exigence ne s'applique pas si votre langue maternelle est l'anglais. Voilà, donc ceux qui viennent du Nigeria et tout ont assez de privilèges par rapport à cela. Et une connaissance passive du français. Donc ça veut dire que vous devez aussi comprendre la langue française. Voilà, donc une fois que nous finissons ça, ce qu'on va faire, on va venir là directement pour postuler. Je rappelle encore la date limite. C'est le 27 janvier 2023. Donc vous venez là, vous cliquez sur démarrer une candidature. Je rappelle encore, vous pouvez aussi venir là pour venir vérifier. Voilà, pour voir un peu si ce qui est là vous sied ou bien si c'est ce qui est là. Donc ça sera à vous de voir. Donc moi, je vais choisir par exemple ce qui est là. Ce qui est là, c'est plus en termes de droit humanitaire, droit humain, tout comme ça. Voilà, c'est ici. Et ici, c'est les mêmes éléments, mais c'est plus droit que ce qu'elle a. Donc, ici, je vais cliquer sur démarrer rapidement pour qu'on puisse au moins aller un peu plus vite et puis clore cela. Donc, je clique sur démarrer ici. Et je vais me retrouver avec ici, avec bourse partielle, avec bourse complète ou bien sans bourse. Bien sûr, avec bourse complète. Donc, vous cliquez avec bourse complète. Vous avez déjà choisi, c'est ce qu'on vous avait dit. Vous avez déjà choisi. Et ce que vous allez faire ici, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Voilà, c'est comme d'habitude, rien n'a changé. Donc, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Voilà, rien n'a changé. Vous remplissez normalement et sans problème avant d'arriver là et soumettre. Donc, voici les documents dont vous aurez besoin. Donc, regardez bien les documents pour pouvoir les avoir sur vous. Éducation, c'est-à-dire votre diplôme. Ici, expérience de travail, si vous avez pertinente. Ici, référence. Référence, ce sont les lettres de recommandation. Choisissez au moins deux lettres de recommandation afin de pouvoir les envoyer. Maîtrise de l'anglais, si vous avez un certificat, même si ce n'est pas reconnu par leur structure, vous pouvez aussi les envoyer. De toutes les façons, c'est après admission que vous payez les 150 €, donc c'est pas un problème. Voilà, après ça, la motivation, je donne les documents requis. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour ceux qui m'ont posé ces questions. Maintenant, lors de votre remplissage, si vous remplissez que vous ne comprenez pas un élément, essayez de poser un commentaire. Je vais essayer de vous répondre pour que vous ayez au moins une bonne compréhension de ce qui se passe ici. Voilà, donc c'est pas compliqué. Vous pouvez postuler vous-même, donc c'est pas un problème. Et aussi, à la fin, vous pouvez soumettre là. Voilà, donc les gars, c'était moi, je suis en hôpital. Et puis voilà, essayez de prendre soin de vous. Et à plus, les gars.